Bonjour à tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve Eiffage, le groupe de construction et Vinci Construction remporté en groupement auprès de Veolia le contrat de conception-construction du génie civil de 3 usines de traitement d'eau du CEDIF pour un montant de plus de 400 millions d'euros. Le reste de l'actualité, Klépierre, la foncière, a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. Total Energy, le groupe d'énergie, a de son côté signé 2 nouveaux contrats de livraison à moyen et long terme en Asie. Un contrat de vente avec Indian Oil Corporation prévoit la livraison en Inde de 800 000 tonnes de GNL par an pendant 10 ans à compter de 2026, et un accord de vente avec Korea Southeast Power prévoit la livraison en Corée du Sud d'environ 500 000 tonnes de GNL par an pendant 5 ans à compter de 2027. Enfin, Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux de construction, a finalisé l'acquisition annoncée le 3 avril dernier du groupe Bailey, acteur non coté produisant des ossatures métalliques pour la construction légère au Canada. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.